Bonjour à toutes et à tous, je vous remercie de votre présence. En raison des circonstances actuelles, nous devons tenir compte des prescriptions du gouvernement concernant les rassemblements et événements publics dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire. Le 11 novembre 1918 est signé à Rotombe l'armistice qui met fin à la Première Guerre mondiale. Le 11 novembre 1920, la dépouille d'un soldat inconnu est inhumée sous l'Arc de Triomphe à Paris. Une loi du 24 octobre 1922 fait du 11 novembre un jour férié consacré à la commémoration de la victoire et de la paix. Depuis, chaque année, le 11 novembre donne lieu à des cérémonies devant les monuments aux morts. Avec la disparition du dernier poilu, Lazare Ponticelli, le 12 mars 2008, le sens de la commémoration tend à évoluer. Il ne s'agit pas de célébrer la victoire de 1918, mais plutôt la fin de la guerre et l'amorce du rapprochement européen. Nous allons maintenant procéder à la remise de drapeaux aux enfants de l'école. Je vous remets ce drapeau, qu'il soit le symbole de la cohésion, de la discipline, du dévouement au service de la patrie et de votre école, qu'il soit source de l'exemple que ses membres doivent donner aux autres. Je vous remercie. Prêt pour les couleurs ? Envoyez. Discours de M. Raymond Berthelot, président de l'Union nationale des combattants de l'Essonne et président de l'Union nationale des combattants de Saint-Try-Morsang-sur-Seine. Aujourd'hui, nous vivons un moment assez particulier. Nous sommes confinés, petits et grands, jeunes et moins jeunes, moment difficile. L'angoisse est là. Arrachez-vous de cette angoisse, visualisez toutes les bonnes choses qui vous entourent. Comme toujours, restons unis. La fraternité a pris une place toute nouvelle. Elle s'impose comme une réalité à construire pour faire face à la dureté des événements actuels. Année 2020, en dehors de la pandémie qui nous impacte, que s'est-il passé? Depuis juillet 2020, la ville de Saint-Try-sur-Seine a un nouveau maire que nous saluons aujourd'hui, un maire que nous connaissons depuis plusieurs années, qui partage nos idéaux, un maire que nous considérons comme un frère d'armes. Par ailleurs, il y a 50 ans, le général de Gaulle nous quittait. Un pan de notre passé s'en est allé avec lui. Il y a 100 ans, le 11 novembre 1920, un soldat inconnu achevait le long périple l'amenant du champ de bataille sur lequel il est tombé à l'Arc de Triomphe. Parce qu'il n'a pas d'identité, parce qu'on ne sait pas où il est mort, il représentait tous les soldats morts au cours de ce conflit que les survivants ont appelé la Grande Guerre. Aujourd'hui, il représente tous ceux qui sont morts pour défendre notre patrie, la France. Par-delà, ceux qui sont tombés, le soldat inconnu représente tous ceux qui ont combattu sous le drapeau tricolore.
Les Français de métropole et d'outre-mer, les ressortissants des territoires sur lesquels notre drapeau a flotté. Par-delà les combattants, le soldat inconnu représente les familles éprouvées pour la plupart, qui ont tenu au prix de sacrifices souvent oubliés. Et par-delà les familles, le soldat inconnu représente une civilisation, affirmant que tous les êtres humains naissent libres et égaux en droit, voulant que la liberté de chacun s'arrête là où commence la gêne des autres, confiant à chacun de ses membres la propriété du patrimoine culturel, matériel et spirituel de notre patrie. En un temps où ce patrimoine est menacé, chacun d'entre nous a le devoir impératif de se montrer digne de ceux qui ont défendu la France au prix de leur vie. Merci. Discours de Madame Marie Guévenoux, députée de l'Essonne. Monsieur le maire, mesdames et messieurs les élus, madame la conseillère départementale, monsieur le président, cher Raymond Berthelot, mesdames et messieurs les représentants des anciens combattants, messieurs les porte-drapeaux, chers enfants, aujourd'hui on se retrouve dans des conditions particulières. L'a rappelé juste avant le début de la cérémonie, mais j'ai tenu à être présente parmi vous. La Première Guerre mondiale fut une épreuve partagée par toutes les nations, une épreuve qui n'épargna aucune famille ni aucun territoire, en métropole comme en outre-mer. C'est une guerre mondiale où des puissances extérieures à l'Europe ont un rôle essentiel. Par la mobilisation totale des sociétés dans la guerre, au front et à l'arrière, la Première Guerre mondiale inaugure un nouveau type de conflit, une guerre moderne qui s'appuie sur la mobilisation industrielle, la propagande, la mise en place d'une culture de guerre. Pour la survie même de la patrie, dans des conditions souvent inhumaines, nos soldats se sont battus au-delà de leurs propres limites. Les femmes, les mères, les enfants ont accompagné les combats, en faisant vivre jusqu'à la victoire nos villes et nos villages. L'armistice de 1918 est à jamais inscrite dans notre récit national. En sortant de cet embrasement qui jeta le monde entier sur les champs de bataille terrestres, maritimes et aériens, la France a perdu 1,4 million d'hommes. Par cette perte irréparable, toute une génération de Français a été sacrifiée. Alors que les derniers témoins se sont tus, la société française tout entière s'est emparée du souvenir de la Grande Guerre. Commémorer la Première Guerre mondiale pour rendre hommage aux combattants, aux poilus, qui partirent avec courage, avec angoisse aussi, avec dévouement toujours, pour servir leur pays. C'est l'objet de notre rassemblement aujourd'hui dans un contexte sanitaire difficile. La violence qu'ils ont vécue, elle nous est transmise par les mémoires familiales, par des remarquables travaux d'historiens, par des œuvres, des romans, des poésies, de la musique même, parfois du cinéma, mais elle nous est aussi transmise par ce qui est resté dans chacune de nos familles de ce premier conflit mondial. Cette mémoire nous rappelle que tous les Français et toutes les Françaises y ont pris leur part. Partout, en France, dans toutes nos villes, dans tous les villages de France, où presque un monument aux morts existe. Aux morts pour la France, le devoir de mémoire a trouvé, dans les années qui suivirent l'armistice de 1918, à s'installer dans nos usages républicains. Le 11 novembre 1918 restera un jour de joie et de soulagement pour les survivants qui ont connu cette guerre. Le soulagement de ne plus entendre le fracas des armes, de ne plus craindre de terribles nouvelles pour ses proches, la joie de pouvoir imaginer un futur dans un monde en paix. 102 ans après ce terrible conflit, il s'agit pour nous, citoyens français, et pour nos concitoyens européens, d'être porteurs d'un message de paix afin de contribuer à la construction d'un avenir commun. Souvenons-nous de ces hommes et de ces femmes qui se sont battus pour que nous puissions vivre en paix. Au nom de ce que la France a subi, des épreuves traversées, des victoires remportées, des défaites surmontées,
tous les Français sauront se rassembler autour de ce qui les réunit, de la conscience de leur histoire et de leur destin commun. Je fais partie, comme beaucoup, d'une génération qui n'a pas connu la guerre. Je pense que nous pouvons tous ensemble, même si nous avons du mal à envisager ce qu'ont vécu nos concitoyens il y a un siècle, essayer, lorsque nous doutons, de nous inspirer du courage des poilus, des familles restées à l'arrière, et plus largement de ceux qui, dans la tempête, ont tenu le cap. Cela me donne des responsabilités encore plus grandes à l'égard de ceux qui se sont sacrifiés pour la patrie. C'est pourquoi, face aux idéologies de haine, au séparatisme qui s'exacerbe, nous devons nous souvenir de l'engrenage infernal qui a conduit à la Grande Guerre. Aujourd'hui, nous commémorons la Première Guerre mondiale. Nous la commémorons à l'heure où la stabilité du monde, qui n'est jamais acquise, et peut-être plus encore que cela ne fut le cas, ébranlé par le retour des logiques de puissance. Nous avons aussi la nécessité de nous défendre, à l'heure où notre démocratie est parfois affaiblie, assaillie par les populismes, les nationalismes. Nous mesurons la nécessité d'agir, chacun à notre niveau, pour opposer à ces logiques pernicieuses une dynamique de paix et de rassemblement. Les logiques pernicieuses, c'est la banalisation des discours et même des mots qui s'inscrivent dans un registre de haine. Nous avons l'obligation morale de déconstruire les discours et les préjugés appelant à la haine et à la division. Aujourd'hui, à l'heure du tout numérique, de la dématérialisation, des réseaux sociaux, de l'information en continu, il est essentiel de communiquer efficacement et mieux informer les Français pour lutter contre la prolifération de fausses nouvelles et la logique mortifère qui en découle. Nous vivons dans un monde périlleux. Il nous appartient plus que jamais de nous souvenir des ravages de la guerre pour ne pas refaire les mêmes erreurs et aborder l'avenir sereinement. Si la société dans laquelle nous vivons à l'heure actuelle est le fruit d'un travail de plusieurs décennies pour garantir la paix des nations, nous devons garder à l'esprit que celle-ci est fragile et qu'il est de notre devoir de la préserver pour les générations futures. L'ombre de la guerre n'est jamais bien loin. Pensez à nos morts de 14-18, mais aussi aux soldats déployés sur les théâtres d'opérations extérieures qui perdent la vie pour défendre le respect des droits de l'homme, la démocratie et lutter contre l'obscurantisme et le terrorisme. Nous devons aujourd'hui, dans ce contexte sanitaire exceptionnel, faire vivre cette mémoire commune. Et permettez-moi ici d'avoir une pensée émue pour André Filaire, officier de la Légion d'honneur, vice-président de l'Office national des anciens combattants de l'Essonne, administrateur national de l'ONAC, qui nous a quittés vendredi dernier, à l'âge de 84 ans, des suites de la Covid-19. Je l'avais rencontré début octobre. Il m'avait fait partager, au moment de ce rendez-vous, son engagement passionné pour la transmission de cette mémoire commune. Je souhaitais ici lui rendre hommage. La mémoire unie, elle ravive les valeurs qui font notre nation et rend tangibles les principes sur lesquels s'est construite notre République. Rappelons-nous de leurs sacrifices. Ce serait là la meilleure manière d'honorer nos morts pour la France. Vive la République, vive la France. Message de Madame Geneviève Dariot-Sec, secrétaire d'État chargée des anciens combattants et de la mémoire. C'était il y a un siècle. Ce 10 novembre 1920, la Grande Guerre est achevée depuis 2 ans. Dans la citadelle de Verdun, Auguste Thin, soldat de 2e classe et pupille de la nation, dépose un bouquet d'œillets blancs et rouges sur le cercueil d'un soldat. Un parmi tous les combattants des Flandres, de l'Artois, de la Somme, du Chemin des Dames, de Lorraine, de Meuse. Un de ses braves. Un des poilus qui participa à une interminable guerre. Un de ces Français qui œuvra à la tâche incommensurable de la victoire. Un parmi des milliers qui est devenu le soldat inconnu. Le 11 novembre 1920, le peuple de France l'accompagne solennellement sous les voûtes de l'Arc de Triomphe. La patrie reconnaissante et unanime
s'incline respectueusement devant son cercueil en saluant la mémoire de tous les soldats morts sous le drapeau tricolore. Quelques mois plus tard, il était inhumé. Depuis 1923, la flamme du souvenir veille nuit et jour sur la tombe. Chaque soir, elle est ravivée pour que jamais ne s'éteigne la mémoire. La sépulture du soldat inconnu est devenue le lieu du recueillement national et le tombeau symbolique de tous ceux qui donnent leur vie pour la France. Cet anonyme représente chacun de nos morts et tous nos morts en même temps. Cette mémoire vit également dans chacune de nos communes, dans chaque ville et village de France, dans chacun de nos monuments aux morts, dans chacun des cimetières, dans nos mémoires familiales. Elle vit dans l'œuvre de Maurice Genevoix qui entre aujourd'hui au Panthéon. Le président de la République l'a souhaité en l'honneur du peuple de 14-18. Maurice Genevoix n'entre pas seul dans le temple de la nation. Il y entre en soldat des Éparges, en écrivain et en porte-étendard de ceux de 14. Il y entre avec ses millions de frères d'armes, ceux dont il a immortalisé le souvenir, l'héroïsme et les souffrances. Il y entre avec toute la société de la première ligne à l'arrière, mobilisée face à l'adversité et qui a tenu une admirable endurance. 8 millions de soldats combattirent sous les couleurs de notre drapeau. Aucun d'entre eux ne revint totalement indemne. Des centaines de milliers furent blessés dans leur chair comme dans leur âme. 1 400 000 tombèrent au champ d'honneur. Nous ne les oublions pas, inlassablement, nous les honorons. Chaque 11 novembre, la nation rend également un hommage solennel à tous les morts pour la France, ceux d'hier et ceux d'aujourd'hui. Chaque année, nous rappelons leurs noms. Chaque 11 novembre est un moment d'unité nationale et de cohésion autour de ceux qui donnent leur vie pour la France, de ceux qui la servent avec dévouement et courage. En ces instants, au souvenir des événements passés et aux prises avec les épreuves de notre temps, nous nous rappelons que c'est tout un peuple uni qui solidaire, qui fit la guerre, qui la supporta et en triompha. Discours de M. Patrick Rocher, maire de Saint-Trie-sur-Seine. Madame la députée, Madame la conseillère départementale, cher Raymond, chers anciens combattants, chers porte-drapeaux, chers élus, mesdames, messieurs et chers enfants, l'événement qui nous réunit aujourd'hui a eu lieu il y a 102 ans maintenant. C'était dans la forêt de Compiègne, cet endroit si singulier aujourd'hui, où la fin des combats fut signée entre les belligérants principaux de cette Première Guerre mondiale, à savoir l'Allemagne et la France. Cette terrible guerre, qui pourtant devait être la guerre des guerres, aura conduit à la perte de 9,7 millions de militaires et 8,9 millions de civils, soit un total de 18,6 millions d'êtres humains disparus. Pour la France, c'est 27% des hommes entre 18 et 27 ans qui sont morts. C'est dire que peu de familles françaises ont été épargnées durant ces 4 années de combat. Nos chers poilus, si fiers et si heureux de partir à la guerre en 1914 afin de reprendre l'Alsace et la Lorraine et de venger ainsi notre pays de l'humiliation de 1870. Cette volonté qui fut la leur de conserver ce qu'ils avaient de plus cher en commun. Les valeurs de notre République, nos institutions, nos coutumes et bien sûr notre liberté. La grandeur de leur sacrifice n'avait d'égal que leur unité. Cette unité qui peut conduire un peuple à de nobles actions, mais aussi aux sacrifices que nous commémorons aujourd'hui. Certains d'entre nous font partie d'une génération qui a connu des poilus vivants. Et il est de notre devoir de témoigner leurs récits, mais aussi leurs souvenirs liés à leur immense souffrance, lorsqu'on les a envoyés par milliers conquérir des lotins de terre et qu'ils gagnaient un jour, mais perdaient le lendemain. 14-18, c'est aussi la bataille de Verdun. 9 mois, 3 semaines et 6 jours de combat, de soif, de faim,
d'horreur, en clair, d'enfer. Sur les 95 divisions de l'armée française, 70 y ont participé. Pour la nation tout entière, Verdun devient alors, en 1916, le symbole de l'unité, du courage et de l'abnégation. Pour les poilus, cette bataille qui s'est soldée par la mort de plus de 160 000 d'entre eux et de près de 400 000 blessés est avant tout la bataille de tous les sacrifices et le témoignage d'une souffrance humaine extrême. Le facteur déclencheur de ce désastre fut l'assassinat de l'héritier de l'Empire austro-hongrois, François Ferdinand de Habsbourg, et son épouse qui eut lieu à Sarajevo le 28 juin 1914 par un terroriste serbe de 19 ans. Imputé non sans raison à la Serbie par le gouvernement autrichien, l'assassinat va alors servir de prétexte au déclenchement de ce qui deviendra la Première Guerre mondiale. Parce que la mémoire des derniers combattants vivants est éteinte, parce que nous sommes appelés à commettre les mêmes erreurs que celles commises par le passé, si nous ne voulons pas apprendre notre histoire, nous sommes confrontés à un réel danger. Parce que notre actualité est pour le moins très menaçante. Il nous faut plus que jamais compléter l'enseignement de l'histoire dispensé à l'école et continuer de rendre hommage à nos morts, toutes générations confondues. Sur chacune des mairies de France, il est écrit notre belle devise, liberté, égalité, fraternité. Mais pour être frère, il nous faut au moins un père ou une mère commune. Et cette mère commune doit être pour chacun de nous la France. Et peu importe qu'elle soit une mère de sang ou une mère adoptive, pardon, peu importe, elle est celle qui nous unit, par le cœur, par l'esprit, par l'attachement charnel à notre territoire et par la volonté d'être fidèle à nos valeurs, notamment républicaines. Il s'agit là plus particulièrement de l'égalité. Et au-delà d'une discipline scolaire, l'histoire est avant tout la mémoire d'un peuple. Et un peuple sans mémoire, c'est un peuple qui manque de repères et d'expérience. Il est donc vital pour nous que nous restions unis et attachés à notre histoire de notre pays. Apprenons-la et soyons-en fiers. Comme a pu le dire un homme politique dans l'un de ses discours, continuons d'honorer nos morts parce qu'ils ont, du fait du sacrifice de leur vie, un droit sur la nôtre. Paul Belzac, mort pour la France. Marc Berchem, mort pour la France. Raymond Bourlet, mort pour la France. Maurice Collomb, mort pour la France. Albert Demey, mort pour la France. Alfred Demey, mort pour la France. Albert Fauché, mort pour la France. Albert Gauthier, mort pour la France. Paul Guénichaud, Édouard Guis, Georges Hugonnet, mort pour la Albert Mercier, mort pour la Georges Moreau, mort pour la Louis Potra, mort pour la Lucien Pavard, mort pour la Louis Pérus, Désiré Romblot, mort pour la Marcel Sylvain, mort pour la Henri Sper,
Jules Tétu. Mort pour la France. 1939-1945. André Biver. Mort pour la France. Henri Boulet. Mort pour la France. Maurice Beauve. Mort pour la France. André Darcy. Mort pour la France. Eugène Guyard. Mort pour la France. Jean Lambert. Mort pour la France. Alfred Lefebvre. Mort pour la France. André Ozanne. Mort pour la France. Serge Certes. Mort pour la France. Jacques Tarin. Mort pour la France. 1957, Lucien Normand. Mort pour la France. Fermez le banc. Les autorités vont maintenant saluer les porte-drapeaux.